est dans les idées géniales et on est en compagnie de monsieur Léopold, artiste. Exactement, l'unique. On a décidé de faire un truc qui colle pas mal à la météo, c'est des recettes de la flemme. Exactement, ça, ah, ça me parle de ouf, mais moi c'est un peu ma vie en général. Ah, c'est bon, hein. Et il m'a dit, viens avec un truc sobre, j'ai rien de sobre, c'est le truc de plus sobre que j'ai sur moi. C'est ce qu'il avait plus sur le chemin. On est quand même sur un respect parce qu'il y a Yoda quand même. Il y a Yoda, bon, respect, on adore Harry Potter. Alors. Harry Potter, Avenger, tout ça. Voilà. Il cuisine Léo en vrai de vrai. Oui, je cuisine, je cuisine. Ouais. Mais je cuisine vraiment, moi je veux manger plus de 3000 calories par repas. C'est important. C'est important, c'est la base, c'est le minimum. Voilà. Ok, ok, ok. Pour me vraiment pour mettre en avant ce que j'ai le plus, c'est mon ventre. C'est voilà. Bon. Écoute, il faut avoir des éléments de fierté dans la vie et je pense que tu as trouvé le tien. Et Toujours stylé, Eric. C'est vrai parce que lui, quand même, il me dit je viens en pyjama. Mais oui! Mais c'est pas un pyjama normal! Mais non! Comme je dis, moi je vais en boîte de nuit avec ça, je rentre! C'est un premier prix! Je dors comme ça! Ou à poil, c'est selon! Oh oui! Voilà, oui, on lance comme ça, on dort! D'ailleurs, ne m'invite jamais chez toi à dormir! Alors le soir, non, je vais éviter quand même parce que ça peut être un peu compliqué! Ok, on va essayer de reprendre nos esprits, les amis, on est sur une première recette. La première recette qui est le grilled cheese! Yes! Normalement, ça va apparaître devant vos yeux ébahis sur l'écran. Voilà! Okay, ça, c'est magnifique! Alors, il a prévu des trucs, Eric. Oh. Alors, les amis, bah, alors, ça tombe bien que tu nous balances sur le sujet, parce que donc les grilled cheese, c'est quand même, on est sur une recette un peu virale. On a remarqué que souvent, les recettes virales, c'était des recettes cheesy, c'était des recettes de flemmard. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors quand tu dis viral, c'est pas virus. Allez, premier jeu de mots, c'est pour toi, c'est cadeau. Cadeau, je donne. C'est cadeau, pas mal. Je donne. La générosité, c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. On l'a tout de suite dit. Alors, je sais pas si vous étiez là lors du dernier live, vendredi dernier, mais notre ami Léopold était juste sur le canapé qui était là-bas. Et je me suis dit, ça serait trop bête de pas le mettre à l'écran. Voilà. Surtout que j'ai un physique quand même avantageux. Exactement. Donc, voilà. Non, en plus, sérieusement, je m'appelle Léopold, je suis streamer, Léopold artiste. Je stream tous les matins une émission d'humour de 7h22 à 9h. Voilà, on essaie de faire des blagues avec vous, moi j'essaie d'en faire. Généralement le public, les viewers sont plus drôles que moi, mais j'arrive. Par contre, je sais mieux jouer les blagues qu'eux, donc du coup, voilà, je leur pique. Tout à fait. Et je sors aussi, j'ai un magazine d'humour qui sort une fois par mois qui s'appelle Théma. Voilà, c'est un magazine où on essaie de faire rire les gens. C'est genre, t'es aux toilettes, t'as rien à faire, tu lis des petites blagues et tu te marres aller aux toilettes. Tu rigoles aux toilettes. Moi j'aime bien, moi, rigoler aux toilettes. C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous êtes dans la team des gens qui rigolent aux toilettes? C'est ça. Salut, c'est beau. La base, c'est la cuisine. On peut être drôle aussi les cuisiniers en même exactement. Temps. Exactement. Il y en a bien qui. Tu l'as dérapé. J'ai failli déraper, je me suis dit non, là ça va trop là. Donc, la recette, les amis, c'est les grilled cheese. Donc là, vous avez pu voir pendant qu'on était en train de discuter, j'ai mis du beurre dans une poêle, hein, tranquille. Il déjà pas mal. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que. Alors, il y en a qui me disent, ouais, est-ce que c'est vraiment une recette? Moi, je pense qu'à partir du moment. Où on allume le feu et qu'on met quelque chose dans une poêle, on a commencé à cuisiner. Mais oui, mais bien sûr. Même la préparation, moi j'aime bien. Moi j'adore aller au supermarché. Alors là, je raconte un peu ma vie. Ouais, alors vas-y. Moi j'adore aller au supermarché. Okay, okay. Genre vraiment, tu sais, j'aime bien faire les courses, choisir déjà mes aliments, prendre des aliments de qualité, prendre des trucs très cool et c'est déjà commencé à faire manger. Je rêve. Tu es en pyjama, là Eric. Non, tu ne rêves pas. C'est un. Alors, il faut savoir qu'il y a des thématiques qu'on respecte énormément aussi et quand même, les recettes de la flemme, c'est des recettes que je présente en pyjama. Voilà, c'est la thématique. Et oui, je suis en pyjama. Et franchement, cuisiner en pyjama, il y a un truc. Il y a un truc au niveau du confort, on est bien. Et je te sens léger. Ouais, je me sens léger, je me sens bien, je me sens cool. Non. Ouais, c'est sympa. Alors, bien sûr, cette émission est sponsorisée par les pyjamas de France. Hein, voilà, les pyjamas de France. C'est cool. Les pyjamas de France, c'est cool. Alors, pour la recette, est-ce qu'on peut avoir quand même. Ouais, pourquoi on me dit, est-ce qu'on me dit pourquoi je suis pas en pyjama? Je dors comme ça. Voilà, non mais. Je dors si. Je suis en jogging. Attends, sur ce plan-là, non, on te verra pas. Non, là, il est en jogging, je lui ai dit hier, je lui ai envoyé un message au dernier moment en lui disant. Tu pourrais prendre un pyjama demain, s'il te plaît. Il m'a dit, je vais voir ce que je peux faire. Je suis au max. Et là, là, on est bon. Donc, oui, parce que la recette, quand même, c'est ce qui se passe. Vous êtes chez vous, vous avez la flemme. Une série est arrivée sur votre nouvelle plateforme. Il faut bincher, mais il faut aussi manger pendant qu'on binge. Et ça, c'est très important. Pour cette solution, je vous propose le grilled cheese. Très facile à faire. Donc, vous mettez du beurre dans une poêle. Et c'est très Instagrammable, très réseau social. Pas sur une poêle, tant que ça cuit pour sur Instagram. Là, ouais, ça va. Donc là, on va mettre des saucisses. Et si vous avez remarqué, j'ai pris le soin de les couper exactement à la taille du pain. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Ouais, on est... Donc voilà, on a mis nos saucisses. Regardez, ça se passe très simplement. Et là, il va falloir... Là, je vais
demander à ce que tu passes à l'action. Parce que t'es un grand parleur, mais il m'a avoué que ouais, moi, niveau cuisine, je suis pas au top. Je n'y crois pas. Je pense qu'il a bluffé. Ta mission va être celle-ci. Tu vas devoir... Est-ce que je dois les séparer ou pas? Non, non. Non, et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas écarquillé, c'est écalé des œufs. Non, mais voilà. Mais moi, je pense que les œufs étaient déçus. Hein. Ouais, ouais. Je crois qu'on est en tendance, hein. Eric écaillé, c'était un truc. Non, non, ne dis pas ça, ça peut être très dangereux. Ça va très vite, hein. Twitch, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Hein. Ça rend bien la caméra, les gars, ou pas? Comment on est? Ça rend bien pas mal, ou pas? Juste pour vous indiquer un peu ce qui se passe, voilà, ça, c'est ta poubelle de table. Super. Ah, oui, on t'entend, ah oui. La voix de Louis. Ce que je te propose, c'est de prendre un fruit ici présent et tu vas mélanger tout ça. Ça va super bien se passer. Les amis, on est totalement sur le contrôle de cette recette. Cette recette de la flemme, quand même, qui monopolise deux personnes ici présentes. Mais je pense que. Ouais. Deux, t'as quand même deux techniciens et il y a une productrice. On est cinq hein, pour ça. Ok, on est sur une recette de cinq personnes. Cinq flemmards sur une recette de grilled cheese. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Je l'espère de tout cœur. On est là. Il est 20. Eric, l'homme a tout faire. Les femmes ont toutes besoin d'un Eric, c'est vrai. Waouh, wow, c'est beau, c'était haut ça, il y a de l'amour dans le chat. C'est beau, et ça fait, ça vient depuis Eric Sorry. Et le seul chat qui est positif sur Twitch, c'est un marmiton, ça, ça fait plaisir. Ça et ma mère, c'est pas encore sur le chat. Je vous le dirai quand elle arrivera. Mais là, tu m'as donné chaud. Ce serait quoi le pseudo de ta mère? Aïe, aïe, aïe. Moi, ma mère, ça ressemble à une vanne à chaque fois. Non, ça serait quoi le pseudo de ta mère? Alors, le pseudo. Ma mère, ça serait. Moi, ma mère, ça serait « j'ai fait des erreurs dans ma vie, désolé Twitch ». Ça serait ça. C'est beau. C'est beau, hein. Bon, c'est beau. C'est insultant. On va mettre les œufs que notre ami a bien battus en ça. Règle. Hein. Ah. Ce que je te propose, ouais. C'est de mettre... on va mettre un peu de fromage. Donc, tu mets une tranche de fromage ici, une tranche de fromage là. Okay. Une seule juste. Ouais, on va commencer comme ça. Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est bon, déjà. Tu peux rajouter ça un m'énerve. Peu de... Un peu de mozzarella râpée, hein, okay. On y va. Pendant ce temps, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper quelques petites tomates. Alors, c'est des tomates séchées, les amis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas la saison. Et là, j'aimerais bien qu'on mette un petit temps. Non, il y a des trucs. Moi, je suis désolé. Il y a des trucs avec lesquels il faut pas déconner. On est chez Marmiton. On est dans la saison. Ok. Pardon. Ce qu'on va faire, c'est que. Vous avez vu là, ouais. C'est. Donc là, moi, je suis très excité par ce petit truc-là. Alors là, tu vas devoir mettre des morceaux de tomates ici et ici. Ok. Pour l'instant, voilà, ça commence comme ça. Ça a l'air de se passer très très bien. Hein. Mais tu vois, est-ce que tu penses que je mets bien les... Ouais, là, c'est vraiment à ta convenance. Tu es en mode, t'es chez toi. Okay. Le défi qu'on a, c'est juste de replier tout ça. Oh, mais c'est génial! Ouais, voilà. Tu vois, parce qu'en fait, on a notre omelette qui a servi de liant hein, ouais. à toute cette aventure, qu'on va replier comme ça sur le fromage. Donc, on va avoir une action chauffante encore de nos éléments là qui vont parfaire la fonte de tout ça. Hein. Et moi, j'ai une suggestion. Est-ce que déjà dans l'omelette, on pourrait remettre du fromage? Tu sais, quand on prépare l'omelette. Tu peux, tu ouais, je pense que c'est pas mal. Toi, t'as mis un fromage. Ouais, j'ai une passion. On a là, une passion fromage. On y va. Passion fromage. Regarde ça. Oh là regardez là. Ça. Donc là, on, bah est, oui, dans, non, bien là, sûr. On est dans du porc là, pour le food. Regardez-moi ça. Oh là, il y a... Tu vois, on parlait de promesses tout à l'heure. Là, ça se passe très bien. Oh là là. Là, ça se passe très bien. C'est là que je dis qu'il faut faire une vidéo TikTok. Là, quand ça se remoule, là, que ça, c'est brillant. Là, c'est du jus. Voilà, vrai. Voilà. Et on est quand même... On est dans oh une là. Bonne partie oh là là. Bon. De la planète gourmandise. Tu peux essayer l'autre? Tu peux essayer l'autre? Ouais, tu peux essayer l'autre. Alors, à toi de replier cet élément. Il m'a saisi l'outil. Ah, mais moi j'ai envie de travailler. Moi, si j'ai envie de jouer. On y va. Avec moi aussi j'ai envie de jouer. Ok. Attends. On y va. Tac, je vais préparer. Et le voilà, reste j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. T'as tout cassé? Désolé. J'ai pas du tout validé cette phase. Ce qu'on va faire, justement, on va rattraper toute cette aventure. C'est que je vais mettre ça là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un sandwich avec deux. Tranche. Oh, donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ça. J'abandonne. Comme ça. Là, j'abandonne. Et c'est là, tellement bon. Ouais, non, ça va être. Bon, alors, j'y vais. On y va. Il faut pas avoir peur de se brûler les mains. Ce qui va se passer, c'est que. Menu, voilà. Menu de gourmet, on nous dit. Et ça, c'est vrai. C'est... Voilà. Je crois que dans les plus grands restaurants parisiens, c'est ça qu'on fait. Hein. Exactement. Voilà. Alors, les amis. Oh là là. On parlait de gourmandise. On parlait de flemme. Il y a un gros plan là-dessus, là. Ouais, attends. Là, on essaie de. Manipuler ça avec la plus grande dextérité possible qu'on a à disposition. Oh là là, c'est pas mal. On va couper les bords comme ça. Oh. Là, c'est propre. Ce qui ah, c'est propre, hein, c'est pas là, mal. C'est pas mal. Et alors là, tu vois, ça, c'est pas perdu. Les amis, on va passer à la coupe finale, celle qui va nous révéler ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour ça, est-ce que tu te sens le faire? On est sur ce type.
voilà, on est sur ce type de promesse. Bien sûr. On va couper ça au milieu. Je vais couper ça au milieu plus pour avoir les rondelles qui se dessinent. Mais le goût restera le même. Hein. Regarde. Ah, oui. Alors normalement, ce qui se passe dans les... c'est sexy, sexy as hell. Ouais, comme t'as utilisé le bon mot, t'as utilisé le bon mot. J'avais le F, mais... Oh yeah. J'ai un peu de vocabulaire en anglais. Ah, t'es bilingue toi, un peu ou pas? Ouais, complètement. Non, pas du tout. Oh là là. Alors les amis, ah oui, là c'est pas mal. Là, ah oui. Là, on est sur la promesse du grilled cheese. Ah oui, oui. Ouais, ça se passe bien. Voilà les amis, voilà la première promesse. Ça, avec une série à Vinci, je pense qu'on est pas mal. Oh, mais oui. Est-ce mais... que vous validez de votre côté? Dites-moi comment ça se passe. Ah, miam, ok, d'accord. Les gens se mordent les lèvres de l'autre côté, je pense que c'est un signe. Et ça, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, je sais pas, sur tes événements, sur... En fait, je peux parler du coup le matinal, hein, bien sûr, le matin, tous les matins, 7h22, j'ai des gens qui regardent. Voilà, c'est une histoire de... Bah, tu vois, un peu comme la flemme, on essaie de se décontracter, de commencer le début de journée en se marrant et surtout en se prenant pas la tête. Et donc tous les matins, voilà, je fais une matinale où on parle d'un peu de news, mais aussi on fait des chansons en impro, des sketchs, voilà, j'essaie de préparer et j'ai un humoriste qui vient tous les matins faire des blagues. Des humoristes, ça tourne beaucoup. Ah ouais. On a eu des gens qui sont passés après à TPMP, qui sont passés sur les chansons, qui sont voilà. On est quand même sur des mecs qui sont assez drôles, qui passent même maintenant au cinéma, ça donc voilà, je suis très content de faire ça et ça change un peu sur Twitch Game. L'humour, ouais, c'est ça. L'humour, ouais. C'est un truc qui te parle, quoi. C'est un truc bah, moi j'en fais tous les jours, je monte sur scène pour ça. Donc voilà, et je voulais rajouter ça sur Twitch. Il n'y avait pas forcément, en fait, c'était beaucoup, comme on en parle un peu en privé, c'était beaucoup de l'humour d'improvisation. Là, comme on fait la machin, on se marre bien, ça machin, même si t'as préparé le repas. Un peu. Et en fait, j'ai envie de rajouter, moi, un peu plus d'écriture et de concepts différents. C'est vrai que c'est ce que tu me disais. Et moi, je m'appelle un peu le petit prince du cringe. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu ça. Voilà, et donc du coup je suis hyper content de le faire et à côté de ça j'ai lancé un magazine d'humour qui s'appelle Théma, qui est un magazine d'humour, voilà, 25 pages de blagues. On y va les amis, on part sur le pancake fourré. C'est comme ça, ouais. Hey, l'imitation. Hey, tu vois, c'est quand même vachement bien. Le pancake fourré les amis, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est un gros pancake qu'on va fourrer. Donc c'est la recette, elle est très simple en fait, on va faire un grand pancake. Ça il va falloir se saisir. Juste pour donner un peu, j'ai pas envie de spoiler, hein, mais quand même, juste vous indiquer. Donc c'est validé. On part sur une poêle anti-adhésive, hein, c'est la base. Okay. Donc on rajoute notre farine, on met notre sucre. Voilà. Voilà. J'ai mis un peu de levure parce que j'ai envie que ça gonfle les amis. Donc on y va. Ah oui, il faut que ça gonfle. Ouais, il faut que ça gonfle un peu. Et j'espère qu'on va pas vous gonfler. Hey bam. Non, on l'a pas. Ah, quand même, ouais. Non, mais quand même. Ok. Je l'attendais quand même, j'ai tout fait pour. Donc en fait, la pâte à pancake, pour bien la réussir, hein, le plus important, c'est d'y mettre beaucoup d'amour. Et ça, c'est bon. Oui. Et ça, on en a à revendre. Le pancake, c'est l'amour. Hein. Le pancake, c'est l'amour. Est-ce qu'on est d'accord avec c'est ça? C'est mon épitaphe, hein, d'ailleurs, faut savoir. Ah, d'accord, ah, carrément. Ouais. Le pancake, c'est l'amour. Ça ira très très loin cette histoire. Ah, on est donc tu rajoutes un truc ou pas? Parce que là, je me l'ai promis pour rien. Est-ce que tu as bien mélangé? Ouais, bah oui, ça fait deux heures, j'ai mal au bras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc deux œufs dans cette sublime histoire. Voilà. Ouais. Là, on y va. Alors, on nous demande sur le chat, est-ce que vous avez déjà fait des recettes africaines? Pas encore, mais c'est en train d'arriver. C'est quoi, alors, c'est quoi les recettes africaines du... ça dépend. Bah, on a le fameux mafé. Ouais, c'est ça, le mafé. Après, moi, je suis... Poulet colombo. Ah oui, le poulet colombo. On a aussi... on a... Du coup, des couscous. Le poulet DG. Le couscous, bah ouais, ça fait partie de... Bah ouais, hein. On est bon. J'ai l'impression dans un cours de géo. Alors, du coup... On a aussi le rougail saucisse. Oh non, arrêtez avec le rougail saucisse. Pardon, comment on peut en arriver à cette phrase? Arrêtez avec le rougail saucisse. Est-ce que c'est ça? Ce qui vient de se passer. Le rougail saucisse, les amis, c'est la vie. Moi, je pense qu'on devrait faire une vidéo YouTube parce que vraiment, là, on dirait du vomi. Donc, c'est vraiment sympa. Quand c'est comme ça, au début, ça, tu sais, on dirait des trucs de collecte, des colflex qu'on met comme ça. Ouais. C'est normal, hein. On va réussir à transformer tout ça. Exactement. On va y arriver, les amis. On disait juste avant, on avait tous des accents. Vous avez des accents aussi de malaise. Moi, c'est mon accent de malaise. Hein. C'est comme ça. Bon, bah, voilà, ah, mais t'es un peu plus sommaillé quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc. Bonne soirée à tous, bienvenue. On va essayer de gorger un poulet. Ça va beaucoup trop loin.
Moi, ça me va, je suis habitué au rire, tu sais. Ah, c'est beau, c'est beau ce que tu proposes. Je ne souhaite pas d'être un mec marrant, c'est vrai. C'est pas facile. Les amis, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va beurrer notre poêle, hein, parce que c'est toujours beaucoup de générosité. La véritable difficulté, en fait, on vient de la passer, c'était la préparation de la pâte. Jusqu'à là, tout va bien. Là, on va verser une première partie qu'on va laisser cuire à l'étouffer, voilà, comme ça. Hop, oh là là. Générosité, hein. Ah bah oui. Abondance, surplus. Ah, c'est bien. Ah oui, okay. on veut. Donc on augmente le feu, on va rajouter un petit couvercle. Jackson. Moi aussi je peux le faire. Ouais, c'est pas mal. Alors là, c'est très très simple ce qui va se passer. Je te propose de mettre du bacon. Ouais, bien. En tout cas, moi je fais pas grand chose, c'est pas mal. Tu vois, je me posais un peu comme ça. Non, mais justement, j'ai dit je te propose. Donc dans je te propose, tu vas mettre un peu la main à la pâte. Allez, vas-y, hein, je vais faire. On peut dire, tu peux en mettre. Très bonne chanson de Seine Soupacrou, la main à la pâte. La main à la pâte. Non, c'est la pâte tout court, je crois. Ouais, je pense, parce que je connais pas. Moi j'aime bien Seine Soupacrou. Qu'est-ce que c'est bien. D'ailleurs, je conseille, je suis en train d'écouter le podcast de Driver qui s'appelle Featuring Podcast Audio qui raconte l'histoire de chanteur, de rappeur, avec les mecs invités. Et Driver, très très bien. Alors là, on peut dire, tu mets quoi quand même. Ah non, là, tu aurais pu faire un peu un style, tu okay, vois. Ok, ok. Toi, tu vas... Non, mais sur le côté, en fait, pour faire les photos après. Exactement. On va aller sur les photos. Parce que ce qui est important, c'est de faire des photos sur Instagram, au final, après... Est-ce qu'on mange vraiment? Non, c'est sûr que... Oh, la dernière fois que je suis venu, tout le monde a sauté sur les trucs. Et donc, je tiens à le dire en direct, j'ai refait le plat que tu as fait... que tu m'avais fait, c'était des briques avec de la viande de grison, du reblochon. Ouais. Oh, j'ai épaté la galerie. Ah mais vraiment, les gens m'ont dit. Brillé. Ah, mais j'ai brillé en société. Hein. Ah, mieux que quand je raconte des blagues, tu vois. Donc, ah, ouais, carrément. Ah, pardon, excuse-moi. Tu peux mettre tout le jambon que tu veux. Voilà, on fait cuire notre œuf au calme. Ah, on y va, donc on met notre œuf au milieu de cette. Et je remarque qu'il n'y a pas tant de beurre que ça. Vraiment, il y a juste 22 litres de beurre, mais ça, c'est pas. Recette de la flemme, recette anglaise. C'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Les amis, ensuite, ce qu'il faut. Est-ce qu'on n'a pas plus de fromage? Tu veux plus de fromage? Bah non, parce que là, ça va pas couler là. Ah, le monsieur aime le côté. Non, mais non, mais il faut. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de Léopold? Ah, merci, utilisatrice. La vie, la première image. Ah, on est d'accord. Mais le oui. Fromage, hashtag Léopold, mais c'est bien quand sûr. Même Léopold l'artiste. Cliquez sur mon. J'ai pas de. En fait, c'est ce qui manque, c'est ça, c'est qu'il faudrait que vous mettiez les pseudos des gens dans le chat. Exactement. Je dis pas ça, je dis pas. Il y a la froide qui dit ah oui, c'est pas con. N'hésite pas à mettre mon Instagram aussi. Il a des bonnes idées. Non, mais je dis ça parce que quand j'ai fait la Twitch Comedy Club, donc la soirée en direct dans un Comedy Club, c'est vrai que mes modos, ils m'ont dit mais en fait, on peut pas partager le nom des gars parce qu'on savait pas qui c'était. Et j'ai oui. Et du coup, c'est con, ça manque quoi. Alors, là, on va laisser cuire un peu. Voilà. J'ai évité de faire cramer. Ouais, c'est bien. La difficulté en fait dans cette recette, c'est qu'il faut pas que ça soit trop chaud parce que sinon la base va cramer. Est-ce qu'on peut surveiller, tu penses, à la troisième recette? La troisième recette, regardez. C'est la troisième recette. 13h19. Ça manque de jingle, tu vois, autre truc, ouais, de jingle, ouais, toi. Ouais, je sais, mais j'ai regardé très. Ça manque de jingle. C'est la troisième recette, j'espère qu'elle sera chouette. Ouais, je pense qu'elle sera chouette. Est-ce que vous pensez qu'elle sera chouette? On tente des trucs. Les amis. Alors là, par contre, on va avoir besoin. Là, ça va demander un peu de dextérité. Ah ouais? Ouais, c'est un défi. Alors, la recette qui suit demande un peu de travail, les amis. Ingrédients au pesto. Comment? Exactement. Alors pourquoi ça sent cramé? Putain, j'ai pas. Parce que là, c'est un peu cramé. Là, non. C'est un peu cramé. Non, on l'a pas oublié. Non, aussi, c'est ça la cuisine de la flemme, c'est de pas tout refaire, c'est de faire avec ce qu'on a. Exactement. Mais oui. Ça, c'est bon. C'est beau, c'est bah beau. Voilà, c'est comme ça. Les amis, j'ai envie de vous dire, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Oh, mais regarde, c'est beau. C'est d'une beauté assez hallucinante. On est, voilà, ce qui se passe. On est sur un stuffed pancake. Et un oui. Pancake fourré. Oui, pardon, comme ça. Plus à gauche. Ouais. Là, voilà. Centrez-moi ça, regardez-moi ça. On est sur une générosité, donc là, on vient de on va voir l'autre côté. Attends. Un pancake. Attends, Noah. Ils veulent voir l'autre côté, mais on attend un non. Peu. Là, je viens de te montrer l'autre côté, tu l'as déjà vu. Oui, c'est ça. On va pas se fâcher. Voilà, se fâcher. Mais vous énervez regarde, pas. La gourmandise, on va passer à la coupe. Oh là là, on va passer à la coupe tout de suite. Sur l'autre photo. Alors, est-ce que tu peux montrer sur le côté? Regardez-moi ça. Alors, on va tenter de centrer au maximum. Descends un peu plus. Waouh, regardez ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme dans ces. Comme ça, on applaudit un peu là, c'est Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'on va faire, Bien sûr. Là, on est sur du pain. Regardez-moi ça. Alors, ce qui se passe là, les amis, éloignez les enfants de la caméra. Il faut. Qu'il n'y ait plus que des adultes, parce que là, ça va devenir très très pente. Regardez comme ça, voilà ça.
là quand on appuie, générosité, oh là, c'est le mot, est-ce que je cadre bien? On est bien, on est plutôt pas mal, ça va être délicieux. Oh là, non mais moi j'ai vraiment l'eau à la bouche quoi. Faut camembert, comme ce titre. Oh j'avais pas vu mais c'est un beau plateau marmiton, ils sont jolis ce. Attends, on est corporate ou on est pas? Non mais c'est vachement bien. C'est marqué aussi sur les couteaux. Ah ouais? Ouais, on est comme ça. Et ça se vend encore ou pas du tout? Ils sont sympas. Écoute, ça on va en parler après. Ok. Pour l'instant, super bien. On va passer à notre troisième recette. Et c'est là que je te disais que ça va faire appel à ta dextérité. Parce que le but, et là il y a une petite difficulté là-dedans. C'est pour ça que normalement il y avait 4 recettes, mais on va s'arrêter à celle-ci parce que celle-là va nous demander un peu de concentration. Il est 35, on n'a pas encore fini cette histoire d'œil. De double fromage. Nous avons un fromage chèvre, c'est ça, et un camembert. Donc deux salles, deux ambiances, mais sur la même surface. J'ai envie de dire encore plus de fromage qu'il y a déjà du fromage. Donc on est vraiment sur deux fois plus de plaisir et de goût. Parce que pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait pas appeler ça la tête du hibou? Parce que ça fait vraiment deux yeux d'hibou. Alors, ça, c'est une très bonne proposition. Ben oui. À cet instant. Ça, parce qu'en fait, on essaie vraiment de pas manger léger. Si vous voulez vraiment pas manger léger, vous êtes au bon endroit. voilà. Et donc là, on est en train de faire le pain hibou. Le pain hibou, voilà. Ouais, j'aime bien, moi, qu'on vient juste de nommer comme ça, c'est au moins, il y a de la personnalité là-dessus, tu vois. Ouais. Donc là, le but, c'est de couper une surface suffisamment grande pour pouvoir y inscrire un camembert. Est-ce que du coup, il faut pas mettre un peu plus grand que le fromage? C'est ce que je suis en train de faire normalement, voilà. Ce qui aurait été pas mal, c'est que comme je sais que chez Marmiton vous avez un truc pour faire le pain, les vaches, etc. Est-ce que tu sais, des grandes tonnes de fromage comme as. C'est pas mal. Ça, et tu sais, juste un gros fromage comme as, tu veux. On va le proposer à la réunion du lundi. Bah, non, c'est bon. Comme ça, t'avances sur ton repas parce qu'on n'a pas retard. Le burn-out d'Eric, à cause de la poêle moins 7. Il y a plein de monde ici qui a raid. On a eu plusieurs raids. Ouais, on a eu Kenny et on a eu aussi les numériques. Allez, j'espère que ma mère ne regarde pas ce live, maman. Et j'espère que la mienne regarde parce que je suis un marmiton quand même. Alors regarde, je vais faire un œil et tu feras l'autre. Ah oui. Du coup, il faut tapisser généreusement avec notre pesto quand même. On pesto est dans... quoi déjà on a dit au pesto pain. Rosso. Rosso, fais maison. Hein. Tu l'avais fait avant, c'est un peu long à faire donc tu ne le coupes pas. Apparemment, c'est vrai qu'il nous faut le bruitage goutte de sueur pour Eric. Ah, ça commence comme ça. Mais c'est mieux comme ça, tu vois, parce que du coup, ça fait des petits bouts, ça va être pas mal, je pense. Alors, ok, d'accord, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt... Regardez. Ça mange du camembert. Salut, je m'appelle Thierry. Voilà, tu y a. Alors attention, on ne joue pas avec la nourriture, les amis, tout ça va être défoncé dans les règles de l'art. Ah. Donc les amis, là, on va mettre cette magnifique meule de pain au... Ah ouais, mais ça, ça... Là, ça va être bon, donc on est parti à 190 degrés, le four était en train de préchauffer pendant tout ce temps. 190 degrés pour 15 minutes.